Aujourd'hui, on va aussi parler d'un truc qui t'empêche d'avancer. Tu vas peut-être te dire non, pas du tout, non, ça me fait jamais ça. Puis si tu regardes cette vidéo en entier, que tu réfléchis vraiment, que tu es honnête avec toi-même, tu vas te dire c'est vrai que parfois, ouais, ça le fait. En fait, on va parler de cette histoire d'échec. Parce que si tu es entrepreneur, si tu regardes beaucoup de contenu sur le développement personnel, on parle toujours des leçons qu'on prend à partir des échecs et que toutes les personnes qui ont atteint le succès sont passées par des échecs. Donc ça, ok, on comprend la théorie comme d'habitude et le problème, c'est toujours de se l'appliquer à soi-même et de l'appliquer dans sa propre vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être en capacité d'analyser le moment où on ne va pas oser passer à l'action par peur de l'échec. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas une affiche qui apparaît ou une image mentale qui te dit « Ah, là, tu sais quoi, t'as peur de l'échec, c'est pour ça que tu n'y vas pas. » Non, on se raconte des histoires, c'est toujours pareil. Notre cerveau veut nous protéger, donc on va trouver des excuses ou on va se dire qu'on ne comprend pas ce qu'on a, on ne sait pas comment on fonctionne, je ne sais pas ce que j'ai, j'y arrive pas, tous mes potes, mes collègues, ils y arrivent et pas moi, je suis vraiment nulle hein. Tellement facile de se dire qu'on est nul alors qu'en fait, on flippe. Et il y a un truc qui est très courageux. Et je le fais souvent et j'admire vraiment les personnes qui arrivent à le faire parce que, en fait, ce qui est courageux, c'est de s'avouer qu'on a peur. Et quand tu t'avoues que tu as peur, tout de suite, ça va mieux. Plutôt que d'être dans un truc, oh, je sais pas ce que j'ai, oh, je suis pas bien, non, en fait, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à faire cette présentation, ça va pas, j'ai mal dormi cette nuit, non, et puis le contexte est pas bien, et puis on n'a pas le super matos qu'on devait avoir, et puis finalement la salle, elle est pas bien. Tu vois, tu mets le problème sur l'extérieur, et évidemment, tu peux jamais avoir les choses parfaitement. Surtout si tu es dans un contexte d'événementiel ou quoi, ou un rendez-vous, tu peux pas toujours savoir à l'avance comment ça va se passer et ça peut pas toujours être exactement comme tu avais prévu. Il y a toujours des surprises, toujours des imprévus, toujours des trucs moins bien qu'il faut gérer. Et le truc, c'est au lieu de se dire j'ai pas de chance parce que ça, c'est compliqué, voilà, ou alors bah, moi je suis vraiment nulle à être défaitiste, comme ça c'est réglé. Parce que c'est quand même simple hein, de dire bah, en fait moi je suis nulle. Bon bah voilà, au moins on n'a rien à faire. C'est nul. T'es nul. Bon, ben voilà. Voilà. Ben, on peut rien faire. Et ben, si tu prends tes responsabilités, tu dis en fait, c'est quoi le problème? Vas-y, c'est quoi le problème? Annonce. Sois honnête avec toi-même. Fais un petit point, un gros point même. Tu dis, c'est quoi mon problème? Pourquoi je suis énervée? Pourquoi je fais tout tomber? Il y a tout qui m'énerve. Pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi j'ai l'impression d'être épuisée alors que j'ai quand même dormi cette nuit? Pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ben, en fait, j'ai peur. En fait, je crois, oui, je crois que j'ai peur. Mais en fait, j'ai carrément peur, en fait. Oh, j'ai peur. T'as peur de quoi? Ben, j'ai peur d'avoir un trou de mémoire. J'ai peur qu'on pense que ce que je dis, c'est inintéressant ou qu'on me dise que ce que je raconte, c'est n'importe quoi. J'ai peur qu'on m'écoute pas, qu'on me foute un vent. J'ai peur de perdre ma voix au moment où je vais prendre la parole. J'ai peur de transpirer et que ça se voit. J'ai peur d'avoir des plaques rouges et que du coup j'ai honte. J'ai peur qu'on me pose une question et que je ne connaisse pas la réponse. J'ai peur de perdre mes moyens parce que d'ailleurs je suis en train de perdre mes moyens, etc., etc. Bon, là en fait, clairement, on a peur de l'échec parce que se taper la honte, pour nous, c'est un échec. Bégayer, avoir un trou de mémoire, ce serait un échec. Ne pas savoir répondre à une question, ce serait un échec. Donc, ce qui va être puissant, c'est de repérer à quel moment la peur de l'échec est en train de nous stopper ou de nous faire perdre nos moyens. Et ce qui va pouvoir t'aider vraiment, c'est de te dire, mais ok, je risque d'échouer. C'est vrai, c'est un risque qu'on prend. On n'est jamais sûr à 100% qu'on va réussir, qu'on va cartonner, qu'on va être ce qu'on appelle dans le flow, c'est-à-dire tu es dans le flow, c'est que tu es tellement dans ce que tu fais que tu te rends même plus compte de l'environnement, que tu te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire. Parce que au passage, un truc qui est vraiment pourri et qui va t'empêcher d'être charismatique et d'être bon en communication, c'est quand tu te dédoubles. Tu es en train de parler et en même temps tu t'observes. Et puis alors attends, ça peut aller loin. En même temps, tu commentes. En même temps, tu te dis, ah oh bah là, franchement, t'es pas convaincant. Hein. Ah bah là, franchement, c'est vraiment pourri ce que tu dis. Ah bah là, ils ont vraiment l'impression que t'es pas compétent. Ou ils ont pas l'impression, enfin, ils donnent pas l'impression d'être concentré, inspiré. On dirait qu'ils s'ennuient. Donc ça, c'est vraiment terrible. Pourquoi? Parce que tu vas, comment dire, être désincarné en fait. Tu n'incarnes plus tes propos, t'es plus là, t'es parti. Alors t'es en pilotage automatique, hein, tu parles,
Bonjour à tous, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette réunion. T'es là, tu parles, tu les regardes, mais en vrai, t'es pas là, t'es absent. Et un des points fondamentaux pour être bon en communication, c'est d'être présent, la présence. Je préfère quelqu'un qui a des petits accros, voilà, qui bégaye un peu, ou qui stresse un peu, qui est un peu agité, ce genre de choses, mais qui est vraiment présent, qui nous regarde, mais on sent qu'il est là, voilà, il y a la lumière qui est allumée à l'intérieur, plutôt qu'une personne qui fait quelque chose de propre, très très propre, très bien, des jolis mots intéressants, des tournures de phrases extraordinaires, mais qui n'est pas là, parce qu'elle va balancer un truc comme ça, mais nous on voit qu'il n'y a personne. Et c'est terrible parce que ça, en fait, quand on stresse, quand on n'est pas sûr de soi, etc., on a ce dialogue interne qui se met en place. Et donc là, on n'est plus du tout dedans. En fait, on a cette voix qui nous parasite, qui nous dit regarde, voilà, il s'ennuie, nanana, nanana. Et donc, tu n'es plus du tout à ce que tu fais. Donc, c'est vraiment important de dire ok, j'ai peur d'échouer, mais l'échec, ça fait partie du succès. Peut-être que là, je vais échouer, mais peut-être pas. Laissons-nous une chance. Et tu vois, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, ça faisait donc 10 ans que j'étais seule chez moi avec mes problèmes de santé, mes douleurs dans le visage, dans les cervicales, dans les bras. J'avais des névralgies partout, les jambes. Et puis avec ça, un mindset totalement pourri, hein, pas confiance en moi, estime de moi pourrie. Je me voyais comme une personne juste malade, inintéressante, insignifiante, un boulet quoi. Et du coup, quand j'ai commencé à me dire, tu sais quoi ? Ça fait 10 ans que j'attends qu'il se passe quelque chose, que ça avance, que ça avance pas. Je vais essayer de faire avec tous ces problèmes de santé. Et malgré le peu d'estime que j'avais de moi-même, le peu de confiance que j'avais moi-même, j'étais en mode vraiment survie. Allez, on va tenter un truc. On va essayer de faire quelque chose. Parce que vu que de toute façon, ça fait 10 ans que je vais droit dans le mur, si ça continue comme ça, ça va pas aller mieux. Apparemment, 10 ans, c'est quand même pas mal. Donc là, je pense qu'on a, suffisamment de preuves que ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer de changer d'état d'esprit. Et puis, évidemment, les premières sorties de zone de confort ont été très, très difficiles. Le moindre rendez-vous avec quelqu'un était très difficile. Même s'il n'y avait pas de fort enjeu derrière, c'était... beaucoup de stress, beaucoup de doutes, qu'est-ce que j'ai bien fait de dire ça, qu'est-ce que j'aurais dû dire ça, qu'est-ce que je dis, comment je réagis, comment je me comporte. Et puis à un moment donné, je commençais à avoir l'habitude de sortir de ma zone de confort, donc évidemment je sortais de plus en plus loin, donc je tentais des trucs de plus en plus dingues, comme par exemple prendre la parole dans une soirée réseau, puis après carrément faire une petite conférence, une présentation, voilà. Et... dans les moments où j'avais peur de l'échec, où je me disais, en fait, ça sert à rien, je fais ça, mais ça se trouve, ça va servir à rien, et je tourne encore en rond, et ça avance pas. Mais il y avait cette petite phrase que je me disais, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Allez, vas-y, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Donc, quelque part, ça prouve que j'avais quand même un petit peu la foi, que je me disais, je pourrais réussir, mais pour moi, j'avais 90% de chances de foirer et de... de ne pas être convaincante ou que ça ne serve à rien. Mais voilà, je voulais tellement m'en ressortir que je me disais, mais allez, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Et ça voulait dire que ce miracle, j'étais en train de le produire. Donc, la peur de l'échec, ce n'est pas simplement un truc conscient, officiel, qui nous dit, voilà, tu as peur d'échouer, donc c'est pour ça que tu fais du sabotage, c'est pour ça que tu ne renvoies pas ce papier, tu as peur que ton projet échoue, donc c'est pour ça que tu ne vas pas à ce rendez-vous et que tu trouves 10 000 excuses pour ne pas y aller. Tu as peur de l'échec de cette relation, donc c'est pour ça que tu ne t'investis pas dedans. Donc relation amicale, amoureuse, c'est ça aussi la peur de l'échec. J'ai peur de m'engager... que ça soit avec un associé pour le business ou de prendre, de déléguer, prendre un prestataire, voilà, d'investir de l'argent dans quelqu'un qui va m'aider dans mon business ou d'investir peu importe dans quoi tu veux investir ou même dans une relation de couple. J'ai peur que ça échoue, donc j'y vais pas. Mais je vais pas dire avec courage, bon écoute, j'ai tellement peur que cette relation échoue que je préfère pas essayer. C'est quand même trop bizarre. Mais pourtant, on se kiffe, je comprends pas, on passe du bon temps ensemble. Ouais, mais imagine sa foire. Imagine, ça marche pas entre nous. On aura perdu du temps, on aura perdu de l'énergie, on aura eu des espoirs pour rien. Donc, je préfère pas commencer. Hein. Ouais, non, on va jamais se dire ça.
Donc, on va se trouver des excuses, on va saboter le truc, et puis voilà. Mais en fait, c'était la peur de l'échec. Donc ça, c'est vraiment puissant quand tu commences à l'analyser, à te dire, attends, attends, attends. Est-ce que je serais pas en train de procrastiner parce qu'il y a un truc qui me fait flipper ou quoi? Attends, est-ce que je serais pas en train d'esquiver mes responsabilités parce que voilà, c'est une position que j'ai jamais eue et je sais pas si je suis en mesure de tenir cette position. Est-ce que j'ai les épaules assez solides? Est-ce que les autres vont me laisser avoir cette position-là? Est-ce qu'ils vont pas se rebeller quand ils vont voir que je commence à prendre le lead? Waouh, j'ai peur que cette transformation, que cette prise de position, voire prise de pouvoir, soit un échec. Parce que les autres voilà, me rejettent, ou les autres bataillent avec moi, ou parce que pour plein de choses. Donc, cette peur de l'échec, elle va beaucoup plus loin que le truc officiel, ouais, j'ai peur d'échouer, voilà, je monte une boîte, elle fait faillite. Non, c'est pas que ça, hein, l'échec. C'est vraiment des micro-décisions, en fait. Ça va aller sur plein de choses. Et ça peut être sur des choses anodines qu'on ne va pas oser démarrer par peur de l'échec. Par exemple, je vais pas oser démarrer un sport ou une activité ou m'engager sur quelque chose parce que je suis pas sûre de le tenir. Et du coup, si je le tiens pas, bah, je vais me dire, voilà, encore un truc que j'ai pas fait. Ou je vais me dire, voilà, je vais devoir me confronter. Je vais devoir me discipliner. Donc, tout ça est assez vicieux. Et j'aimerais qu'on parle aussi de quelque chose qui est lié. C'est donc la prise de décision. Parce que quand tu as peur de l'échec et que du coup ça te freine, que ça t'empêche de faire des choses, c'est aussi une difficulté à prendre une décision ferme et à s'affirmer. Si tu as envie de faire une formation, par exemple, pour te développer, que tu sois entrepreneur ou salarié, peu importe, tu as envie de développer des compétences, que ce soit vraiment sur des compétences techniques ou alors sur ton tempérament, etc. Quelque chose comme moi, je fais plutôt sur la communication, le charisme, etc. Bah, c'est un investissement à faire. Donc, c'est une prise de risque. Donc, ça peut potentiellement échouer. Tu ne peux jamais être sûr du résultat tant que tu n'as pas tenté. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, on a des personnes qui veulent intégrer l'Académie du charisme. Et finalement, on sent qu'elles ont tout le potentiel pour progresser. Mais vraiment, tu vois que la personne, il lui manque pas grand-chose. Il faut juste la booster un peu sur la confiance en elle, son estime. Voilà, faut lui remettre en tête qu'elle mérite de réussir, qu'elle a de la valeur. Il faut juste l'encourager, la soutenir, lui donner les bonnes techniques. Parce que clairement, dans la méthode que j'ai développée à l'Académie du charisme, je vous donne des recettes pour certaines choses, que ce soit le langage corporel pour être plus convaincant, avoir plus de charisme, mais que ce soit aussi pour apprendre à dire non, voilà, pour s'affirmer. Quand on veut dire non, on dit non, au lieu de dire oui et de dire ah, je voulais dire non, j'ai pas réussi, et de s'en vouloir, d'être en colère, etc. D'autres techniques en prise de parole en public. Bref, il y a certaines personnes qui viennent et qui prennent d'ailleurs le rendez-vous, hein, que je t'invite à prendre si tu veux en bénéficier. Le rendez-vous téléphonique, tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Et donc, il y a des personnes, c'est terrible parce que on voit qu'il leur manque juste quelques codes à apprendre, des codes de société, hein, des jeux dans le relationnel, hein, et quelques codes, un peu de mindset, et ça cartonne en fait parce qu'il manque pas grand-chose. Ben ces personnes-là, elles sont prêtes à venir, elles ont le budget, voilà, elles ont trouvé de quoi avoir le budget pour payer l'académie, et un truc qui les retient. Et le truc, c'est que parfois ils disent bah ouais, mais imagine ça marche pas sur moi. Et oui, mais partout, tout le temps dans la vie, on ne peut pas savoir ce que ça va donner tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est comme si tu nais et puis t'as un nouveau-né, puis tu dis hop, 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 moi je vais pas vivre hein, parce que je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre de ce que ça va donner. Hein. T'es obligé de vivre les choses. Alors après, évidemment, il y a des choses que tu vas sentir mieux que d'autres. Et là, c'est une histoire d'instinct, une histoire de. Bah même de manière factuelle, hein, de dire bah oui, voilà de quoi j'ai besoin, voilà ce que m'offre cette formation, la forme de l'accompagnement, ce genre de choses, ça correspond, ça convient, le tempérament, la personnalité de la personne, ça match, ok, j'y vais. Donc, clairement, de manière logique, ça colle. Ensuite, au niveau instinct, tu dis ouais, je le sens bien parce que ça match bien, mais tu peux avoir un frein parce que c'est des peurs, des croyances limitantes, etc. Donc,
Donc ça, c'est vraiment le truc de se dire, ben ouais, la peur d'échouer, ouais, j'ai peur, mais, et là, ça va vraiment t'aider dans cette prise de décision, c'est, mais est-ce que ça en vaut la peine si j'ai réussi? Et est-ce que je pourrais pas m'autoriser à tenter le truc? Parce qu'il y a aussi, donc il y a la peur de l'échec, on l'a vu sous plein d'angles différents, il y a la prise de décision, voilà, c'est oser, oser. Et puis il y a aussi s'autoriser. Parce que peut-être qu'on n'a pas eu l'habitude de s'autoriser à faire des choses et puis s'autoriser à échouer. Quand tu prends une décision, que tu tentes un truc, tu deviens entrepreneur, tu déménages, tu changes de ville, tu changes de pays, tu fais une reconversion professionnelle, tu changes d'entreprise. Ben, tu peux pas savoir si ça va marcher. Même si tous les signaux sont verts, t'es pas certain, certain que ça va être gagnant à la fin. Donc, pour t'autoriser à y aller, tu es obligé quelque part de t'autoriser à échouer. Ça veut dire que, et ça c'est très important, tu fais équipe avec toi-même. Tu fais équipe avec toi-même et tu te dis, bah, si on réussit, tant mieux, jackpot, bingo, génial, on fait la fête. Si on rate, on assume, on assumera. Et là, c'est très très important. Quand tu ne fais pas équipe avec toi-même, parce que tu ne t'aimes pas, parce qu'il y a des parties de toi que tu n'aimes pas, qui te mettent en colère, ou il y a des parties de ta vie qui te mettent en colère, que tu rejettes, il y a des parties de toi qui te font honte, tu as honte de certaines choses te concernant, que ce soit ta personnalité, ton tempérament, tes habitudes, ton comportement, ou que tu as honte de certaines choses que tu as vécues. Toutes ces choses-là vont faire que ça te sépare à l'intérieur. Tu n'es pas soudé avec toi-même parce que tu rejettes certaines parties de toi. Bah, là, le problème, c'est qu'il y a une espèce de fight interne où il y a un jugement interne, en fait. Ça, on le développera dans d'autres vidéos parce que là, on arrive à la fin. Mais le problème, c'est quand tu te juges toi-même, que tu es très sévère envers toi-même. Alors, certaines fois, il faut se botter les fesses, hein, il faut être sévère. Oui, tu prends ton sac de sport, tu vas au sport. Oui, tu as dit que tu envoyais ce document, tu envoies ce document. Des fois, il faut un peu se gronder parce que, voilà, on va trouver des excuses, etc. Mais pour s'autoriser à tenter des choses et passer au-delà de la peur de l'échec, il faut donc s'autoriser à échouer. Et pour ça, il faut arrêter de se juger. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Tu imagines que tu échoues, donc tu imagines la réaction que tu vas avoir envers toi. Et ça va être quoi ta réaction? Eh ben voilà, et voilà, encore une fois, t'as raté, t'as échoué. Tu vois, je te le disais, cette petite voix qui disait, oh, ne tente surtout pas, tu risques de rater, ne tente surtout pas, tu vas avoir la honte, tu vas être triste, tu vas être déçu, je t'avais prévenu. Et voilà, on a tenté, eh ben on a raté. Franchement, non mais c'est, t'es tellement nul. Donc nul, manque de confiance en soi, tellement nul, insignifiant. L'estime de soi qui en prend un coup, mais laisse tomber, mais plus jamais entendre quoi que ce soit. Donc, si tu ne fais pas équipe avec toi-même, que tu ne... comment dire? Je ne vais pas dire forcément être indulgent, mais si tu n'arrives pas à te rassurer toi-même, à te réconforter, ça va être compliqué de te faire confiance. Parce que tu ne pourras pas t'autoriser à échouer, puisque tu sais que derrière, tu vas te faire éclater par ton dialogue interne. T'as pas tellement envie d'avoir des pensées négatives et des pensées destructrices derrière. Alors que dans le cas où tu fais équipe avec toi-même, que tu es dans la bienveillance avec toi-même. Parce que le problème, c'est qu'on nous dit toujours d'être bienveillant avec les autres, d'être gentil avec les autres, mais jamais avec nous-mêmes. Alors que c'est quand même la base. Parce que quand tu es bienveillant avec toi-même, que tu t'apportes de l'amour, bah, c'est beaucoup plus simple d'être bienveillant avec les autres. Mais quand déjà à l'intérieur de toi, tu es toi-même ton propre bourreau, tu te rabaisses en permanence et tu t'empêches de faire des trucs pour être heureux, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'être sympa avec les autres. Donc si tu es en accord avec toi-même, tu es indulgent avec toi-même, tu sais te rassurer, tu sais te soutenir, tu te prends avec tous tes défauts. Voilà, tu sais que tu as certains défauts, tu sais que tu n'es pas parfait, mais tu es un être humain, donc en même temps, c'est normal. Tu sais que tu travailles dessus, tu sais que tu avances dans ta vie, eh bien, tu es en mesure de dire, OK, on va tenter le coup parce que je vois, voilà, de manière posée que tous les signaux sont au vert.
Ça, c'est bon, ça, bon, ça match, la personne est bien, là, moi, je me sens bien comme ci, comme ça. Bon, j'ai un peu peur, mais c'est normal. Mais transformons cette peur en excitation plutôt que ça nous paralyse. Encore un autre sujet, hein, au passage. Donc, abonne-toi bien à la chaîne, j'ai plein de choses à te raconter. Donc, on va changer cette peur hein, qui, finalement, est de l'excitation, de l'enthousiasme parce qu'on sort de la zone de confort. Mais tout a l'air OK, en fait. Donc, maintenant, le seul truc qui reste, c'est qu'on ne sait pas si ça va marcher, mais... Allons-y. Et donc, quand je fais équipe avec moi-même, je me dis, bon, on ne sait pas si ça va marcher, mais si c'est un échec, écoute, on se relèvera. Écoute, on fera ce qu'il faut, on passera une petite soirée devant Netflix à bouffer de la glace, et puis voilà, le lendemain, on repartira. On saura se réconforter soi-même, on saura se remotiver, voilà, parce que on est bienveillant envers soi-même. Et là, ça fait toute la différence. Donc, la peur de l'échec, vraiment, c'est important de comprendre que c'est pas un truc grossier où t'as peur d'échouer, voilà. Non, ça se glisse partout dans ton quotidien. Même quand tu veux dire bonjour à ton voisin ou aborder cette fille ou faire signe à ce mec, t'as tellement peur de te prendre un vent, qui serait donc un échec, que tu le fais pas. Donc la peur de l'échec, elle est partout. Et pour passer au-delà de cette peur de l'échec, tu dois t'autoriser à échouer. Et pour t'autoriser à échouer, tu dois faire équipe avec toi-même. Donc, il te faut de l'amour. Sur ça, on se dit à très vite. Ciao !